Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du Elden Ring et on est de retour à la tour. Donc pour ceux qui savent pas, la dernière fois on a fini la quête de Rena, c'est ça, c'est Rena, la sorcière. On a fini donc le lac putréfié, après on est tombé ici avec Astel qu'on a dû combattre et tout ça, c'était plutôt cool. On a récupéré des nouveaux sorts, des nouvelles choses, des nouvelles armes. Donc on a fini tout ça, toute cette histoire et du coup on s'est retrouvé donc ici. Et on a pu finir pas mal de petites choses et récupérer pas mal de petites choses. Et il y a cette tour de pierre d'éclat. Donc je suis allé voir quand même par rapport à cette tour d'éclat. Le puzzle, et c'est un peu plus compliqué en fait que ce qui paraît. Donc il y a trois grosses tortues en fait à aller voir. Et il faut absolument donc lire le message. Et après aller au coin en fait où il y a ces monstres géants. Donc là, par exemple, il y en a une. Voilà, donc ça c'est une. Après, on a une deuxième qui est là-bas. Donc on va y aller. Et apparemment, il y aurait aussi un système où elles apparaissent en fait seulement à certains moments de la journée. Donc par exemple pour la première tortue ça serait le matin, non ça serait le soir, la deuxième tortue ça serait la nuit et la troisième tortue ça serait le matin. Donc c'est un peu étrange. Enfin 1, 2, 3 dans le sens que je vais vous les montrer. Hein. Donc la première c'est ce qu'on vient de faire. Donc on va voir ça. Genre là on est la nuit maintenant, on devrait pouvoir avoir l'autre. Et aussi, il faut pas faire de voyage rapide. Donc, vraiment horrible en fait ce système. Je trouve pas ça vraiment très très bien fait ou très intéressant. C'est pour ça que j'aime pas du tout ces... comment dire, ces tours. Parce que moi je veux bien chercher des monstres, mais après ils font un peu ce qu'ils veulent. Genre ils vont rendre invisible un monstre... Après, les trucs vont pas apparaître à un tel moment de la journée. Enfin, voilà, quoi. C'est très, très... J'ai pas... Ah bah, voilà. Là. J'ai pas envie de dire aléatoire, mais c'est très bizarre, en fait. Ah, parfait. C'est un peu ce qu'ils veulent, quoi, à chaque fois. C'est vraiment ce qu'ils veulent. Elle est bien morte. Parce qu'on n'a pas eu d'âme, rien. Ouais, ouais, bien morte. Donc ouais, vraiment pas fan. Vraiment pas fan de ça. En plus, faut pas voyager rapide. Enfin voilà, quoi. C'est... Non, ça, je trouve que c'est très très mal exécuté, ces tours-là. Parce que c'est trop aléatoire comparé... Enfin, si on en compare une à l'autre, c'est très aléatoire. La recherche de bestioles. Donc ouais, j'aime pas du tout. Parce que tout à l'heure on a fait exactement ça, hein, sauf que on n'a rien trouvé du tout. Genre je suis en plus allé à cet endroit là. Il y avait strictement rien, sinon on l'aurait vu quand même. Hein. Je suis pas aveugle. Hein. Et la troisième, elle devrait être... Alors attendez, c'est par là qu'on passe. Je crois que c'est par là. Où il y a le saut à faire en fait. Et pourquoi je me force en fait à faire cette tour là? C'est parce que la plupart du temps c'est des monolithes qu'on récupère. Ça permet d'avoir plus d'emplacement pour la magie. Ah, on l'a fait celui-là. Mais cette fois, non. Évidemment. Donc je voudrais montrer en fait ce qu'il y a. Voilà, vous voyez? C'est pas débile? Hein, c'est pas débile?
Hop là. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un saut comme ça. C'est bien, hein. Là, par contre, on est bon, on peut se téléporter. Donc, ouais, très déçu de ces tours-là. Je pense que c'est les puzzles, les choses à faire dans le jeu qui sont le moins bien fait, le moins bien exécuté, pour moi, je trouve. Parce que tout à l'heure, j'ai fait... Enfin, tout à l'heure, la dernière fois, j'ai fait exactement la même chose. On n'a rien vu. On n'a vu aucune tortue. Et je pense que c'est parce que j'ai dû faire le tour, ou on n'était pas au bon moment de la journée. Ou possiblement parce que je me suis téléporté. Genre des choses comme ça. Donc voilà, c'est très spécifique les choses à faire. Et très très con, je trouve. Lune noire de Rani. Ah, c'est pour ça que je voulais montrer celui-là. Parce que là, on a une magie, en fait. Qui est très très bien. Enfin, je pense. Sorcellerie légendaire, parce que là aussi, il y a aussi des légendaires dans les magies. Vous servez de votre propre corps pour conjurer une lune sombre et froide avant de l'envoyer sur les ennemis. Le projectile dissipe tous les sorts qui l'atteignent et réduit temporairement la résistance aux dégâts magiques des ennemis touchés. Cette lune fit la rencontre de la jeune Rani guidée par la main de sa mère Renala. Ce qu'elle vit alors fait froid, sombre et frappé d'un mystère occulte. 68 d'intelligence pour la faire. Donc voilà. Maintenant, nous, on retourne ici. On va s'amuser un peu avec les géants. Parce que... pourquoi pas. Alors nous on s'était arrêté donc là. On va continuer le chemin jusqu'à avoir... Attendez, hop. Ok, jusqu'à avoir la carte. Et on n'a plus de runes, je suis allé acheter des choses aussi. Très bien. Ah là on peut invoquer. Ah oui, c'est parce que... Ah putain. C'est parce qu'il y a un château complet en fait, ok. Je pensais pas qu'on allait trop tomber sur un château en fait. On va se soigner aussi. Ah merde, mais j'ai... Ah oui, j'ai complètement enlevé le soin je crois. Ouais. J'ai complètement enlevé le son. Il faudrait que je fasse attention à ça. Allez, on va tous tuer. On a un gros là-bas. Tiens, pleine tête. Oh merde. Ah oh, elle aussi elle spam ça quoi, c'est ouf. Oh merde. T'es quoi toi? Ah oui. Oh putain il a une grosse... un marteau de sang. Waouh, ok. On a massacré, quoi.
Parfait. Tombe pas, tombe pas. Il a un marteau de sang. Je voudrais bien le récupérer. Ah, il y a plein de trucs à farmer. Il y a le premier, il avait un fouet. Et après, le deuxième, il avait donc un marteau. Il y a aussi une... qu'est-ce que je vais dire? Une armure que j'ai trouvée qui est vachement jolie. Je vais vous la montrer. C'est... chevalier en nom... C'est ça. Armure du moine de la flamme noire. C'est super stylé. Je trouve. Super joli. En plus, elle est en très bon état. Je le trouve très joli. Pour les curieux, elle se trouve... c'est un chevalier qui a ça. Qui est, je crois bien, ici au temple d'Aiglé. Quand vous sortez en fait, c'est une sorte d'église en fait, vous sortez de l'église. Là, il y a le petit chemin là, hein, qui courbe. Et il est là, le mec qui a l'armure. J'ai récupéré les jambes et... ah, il est là. J'ai récupéré les jambes et l'armure. Parfait. Charge du prélat. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, va les tuer pendant que moi je regarde ce que c'est. Vas-y. Vas-y. Non? D'accord. Elle veut pas attaquer pendant que... Si je me fais pas voir, quoi. Alors... Charge du prélat. Vous abattez votre arme au sol et créez une vague de flammes avant de charger. Maintenez la touche enfoncée pour continuer de charger. Utilisable sur les haches et marteaux de taille de grande et colossale. Ça a l'air pas mal, ça. Ah, c'est marrant, ils étaient pleins de neige, les mecs, je pense. On va voir un peu comment elle se débrouille avec deux. Pas mal. Oh mon dieu. Eh ben, pas mal. Oh! Heurtoir ardent du moine. Voir un peu ce que c'est. C'est un marteau colossal. C'est pas mal comme marteau, c'est joli. Et on a coup de pied, bon ça on s'en fout. Son attaque puissante, unique, éveille votre ardeur de guerrier. Comment ça? Marteau de guerre dont la forme rappelle celle de flammes vacillantes. Arme emblématique des moines gardiens du feu. Originaire des cimes des géants. Dex et force. Ah, il faut très peu, 13 et 13. C'est très très simple pour la manier, ça là. Ah, mais c'est un petit marteau en fait. Ah bah oui, non, c'est ce qu'il avait le mec. Je pensais que c'était un gros marteau en fait. Ah, c'est marrant le R2. le coup de... Le pied, c'est marrant. C'est débile. C'est complètement débile. J'aime pas du tout. Ah, vu la taille, moi je pensais que c'était un gros marteau. Je me demande s'il faudrait pas enlever les deux pots là. Encore une fois.
Maintenant, on a peut-être trop de... Elle a peut-être trop d'objets, en fait. J'en avais déjà parlé, hein, mais... Où est-ce qu'on va? C'est là qu'on rentre par le château? Bah merde! Ah, elle aussi elle est venue. Garnison des gardiens. Bah merde alors, on est vraiment... Ah bah oui, oui, en fait non, oui, on aurait pu rentrer directement par la porte d'entrée. Aïe aïe aïe. Oh. Ah. Hop là. Ce qui est bien, c'est que ça reste un moment, ça. Hein. La potion, là. Tu sais, c'est quoi? Gardien de la flamme. Oh mon dieu. Oh putain. Chaina, il est pas encore au courant du... Oh. Du fait qu'on peut avoir un mimique. Quand je vais lui dire qu'on peut avoir un mimique et qu'il utilise les mêmes objets et tout ça qu'on a dans la barre de tâches. Enfin la barre de tâches, la barre d'objets et tout ça. Ça va être un truc de fou. C'est vrai que c'est vraiment le truc le plus OP du jeu, là. Ouais, je te vois, mais comment t'atteindre? Ah, échelle, je la vois. Allez, mini-moi, on y va. Un truc en dessous? Non mais en dessous c'est où on était? Ah oui mais l'autre elle est descendue. Attends on va faire un support support stratégique. Oh la vache. Ah, putain. Vas-y, ramène-toi. Vas-y, je te laisse faire. Hein ? Non ! Bon, elle finit là. Arrête de manger des trucs, tape. J'aime bien ce qu'on dirait qu'elle s'énerve en fait. Elle fait comme moi, au bout d'un moment si ça marche pas, elle sort le... Elle sort directement la... l'épée. Oh, il y a un passage là. Je pense pas qu'on puisse aller là-bas, en face.
Enfin, pas de notre côté en tout cas. Donc on a un passage là. Merde, je suis déjà tombé, putain, je voulais pas. Attends, parce qu'on peut tomber aussi en dessous, mais peut-être qu'on on y vient d'en dessous, je sais pas. Gardien en chef, Arganti. Ça, tu te le fais? C'est un canon, son bouclier. Non mais l'autre, elle nous fait chier là. Tu viens le faire? Arrête de regarder les monstres là-bas. Oh là là, les dégâts. Parce que l'autre il me protégeait avec son bouclier, mais. Il va peut-être avoir besoin d'aide. Mais les HP qu'elle a, c'est ouf en fait. Bouclier cyclope. Faudrait qu'on remette du soin, c'est vrai que j'ai pas mis de soin, c'est complètement con de pas avoir mis de soin. Oh, et j'ai oublié, on a le médaillon aussi. Qui est complété. Donc on peut prendre l'ascenseur pour une nouvelle zone secrète apparemment. Apparemment, les gens vénéraient quoi, ce coffre? Bréviaire des géants. Ah bah apparemment, ouais. Grande boule de feu et boule de feu. Ok. C'est pas grave. Très bien. On va regarder un peu ce que c'est ce bouclier. Je pense que ce bouclier... Genre là on a lance-flamme. Je pense que là on a canon. Alors bouclier complexe en pierre blanche représentant un dieu cyclope difforme. Le canon d'une arme à feu dépasse de sa bouche béante. Jadis vénéré par géant. Cette divinité malfaisante aurait... était aussi par la reine Marika. Orbe ardent. Vous brandissez le canon intégré au bouclier pour projeter une boule de feu. Cette dernière explose à l'impact. 36 de force. Oh, on voit tout le mécanisme et tout ça. Wow, okay. 28 PC. C'est marrant. Oh. Non. Je me demande si on est protégé quand on se met comme ça. C'est assez drôle. Je pense que le bouclier lance-flamme est quand même mieux.
Je pense qu'on a fait le tour. Ah, mais là, on est de l'autre côté. Parfait. Ah, mais y a rien, en fait. Ah, si. Du granit. Il y a quelque chose là à faire. Là on dirait, mais est-ce qu'il y a quelque chose... Attends. J'ai pas l'impression que je devrais faire ça. Non, là il n'y a rien du tout à faire. Ouais. Casse-toi. Bon, c'est bon, je crois qu'on a fini. On a récupéré le bouquin, on est allé dans les tours. Ah là. Non, on n'a pas encore fini. Non, mais c'est là d'où on vient en fait. Ouais. Fait chier, j'ai pas envie de faire apparaître le monde moi. Ah là. Bon, bah c'est bon, on a tué tout le monde. Ça s'est bien passé, on rentre. Enfin, on se casse plutôt. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une chaîne. Ah, c'est sympa, la chaîne, elle est remplie de neige, en fait. Marrant, ça. Oh, la vache. C'est un géant, ça, ou c'est juste des sculptures? Ah non, ça, c'est doit être des géants, en fait. C'est vrai qu'ils ont été tués, mais... genre par des sorts... Genre comme s'il y avait des arbres qui étaient rentrés en eux. Genre ils ont été empalés. Parfait. Oh la vache. Eh ben... On a encore des choses à faire, non? Le pic de la flamme. Qu'est-ce que tu veux te distinguer? Ouais, là, il y a un truc. Ah, là, pour passer. Ok. Pour passer sur l'autre... roche, en fait. Quoi? Qu'est-ce que tu me fais, toi? D'accord. C'est comme ça que tu combats? Alors, tu peux faire ça aussi.
trop lent. Ah, ça y est. Presque. Bien joué. Ah non, pas des mains. Ah, c'est dégueulasse. Ah putain, c'est dégueulasse. Pierre sombre 7. Merde. C'est quoi derrière moi? J'ai entendu un bruit comme si quelque chose se manifestait, je sais pas, je... un truc magique. Ouais, on veut passer par là-bas. Parfait. Ah, c'est ça. Le mausolée, là. Là-bas, il y a des épées aussi. Je sais pas à quoi ça sert. Faudrait qu'on marque les épées. Aussi. Merde, mais il y a un géant à côté. Merde. Pas l'air con. Ouais, j'allais pas combattre au bord du vide hein, comme ça, honnêtement. Oh, examiné. La guerre contre les géants, champion guerrois, les trolls trahissent. Le feu se meurt, s'ouvre l'ère de l'arbre monde. D'accord. Voilà. L'arbre monde. Je sais pas ce que ça fait. Enfin, c'est pas ça, hein, j'imagine que c'est pas ça. On peut faire... Je sais pas. Ça. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire, en fait, avec ces épées. Jamais trop rester proche des crevasses comme ça quand vous récupérez un objet. Oh mon dieu. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait vu cette main. Oh mon dieu. Ah bah, elle peut pas passer.
te prendre. Alors, c'est quoi ça? Bon bah on rentre. Oh, c'est un donjon, ok. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais juste à une salle avec un coffre ou un truc comme ça. Oh, la vitesse où ça descend. Je me demande que si on saute, genre pendant que ça descend, je me demande si le truc du coup descendra pas plus vite que nous. Et après on finit mort. Tombe des pourfendeurs de géants. On finit par se faire écraser en bas. Enfin s'écraser en bas plutôt. Bon, on n'a qu'à faire ça. J'ai un peu envie d'utiliser ça, mais je suis pas sûr en fait que ce soit utile. Ah là, je serai en charge lourde, c'est chiant. On va d'abord faire ça. Flamme, protège-moi. Améliore grandement la résistance aux dégâts de feu. Crée une flamme intérieure qui augmentera grandement la résistance aux dégâts de feu. On raconte que cette incantation fut utilisée il y a fort longtemps lors de la guerre contre les géants et qu'elle protégeait alors les champions de l'arbre-monde. Ok. J'avais dit qu'on voulait mettre un soin. Je sais pas si vraiment ces trucs-là, ça sert vraiment à quelque chose pour nous. On a qu'à juste mettre un soin et puis basta. Voilà. Si on les utilise pas, autant les enlever. Après, il y a le truc qu'on pourrait utiliser, ça serait seulement celui de... pour enlever la putréfaction. Ouais, la putréfaction pourrait, mais bon. Ça aussi, c'est pas tout le temps, quoi. Oh. Ah, on refait encore le coup du... des trucs protégés par l'ombre. Elle est où la lumière? Ah, elle est en face, au-dessus. On va faire ça.
putain de salope. Oh la vache, comme elle me... comme il me bloque. Ouais, bien joué. Très bien joué ça, dis-moi. Très très bien joué. J'ai envie de changer un peu. Non, c'est pas là. J'aurais dû peut-être prendre la marque de Radahn. J'en sais rien en fait à chaque fois. Je sais jamais quelle marque prendre. Quelle rune. À part Godwin. Hein. Non, on fait moins de dégâts. Hein. Oh la putain. Ok, attends, tu me gaves un peu. Même beaucoup honnêtement. Je sais pas si tu peux te faire empoisonner. Ça me ferait rire mais... Non, 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 tu peux pas. Ah putain, j'avais pas mon épée à deux mains. Putain, roulade trop tôt. Voilà. Ce mouvement, ce qu'on fait là, d'esquiver en fait en faisant nos attaques, c'est pas mal. Hein, mais faut bien le timer quoi. Oh, c'est un géant ça. C'est quoi qui tape comme un fou? Je crois qu'il y a un passage en dessous. Ouais. Oh, qu'est-ce que ça va être? Oh! Ok. Ou l'autre. Eh oh. Oh putain, c'était proche.
C'est tout? Ok. Au cas où. Bon, ça va, on arrive. Oh là là. Par contre, ça, ce qui est devant là. J'adore ton épée, par contre. Oh putain, ça tue. Ah là là, j'avais dans l'espoir. Ah, épée courbée, ornée d'un motif de flamme vacillante, maniée par les moines gardiens de feu originaires des cimes des géants. Les moines débarquent sur les terres de Lumière en quête d'un fugitif qui avait dérobé leur feu. Elle est très très jolie, très très sympa. Ouais. Exactement les mêmes mouvements que la nôtre. Mais elle est, ouais, elle est très très jolie. J'aime bien. C'est original. A une plus jolie lame que la nôtre. Un peu mieux travaillée. T'es quoi toi? Ah! Ok, la lumière je crois. Attends. Waouh! Ah ben putain. Donc heureux que je m'étais bien placé, hein. J'imagine qu'on peut utiliser le piège contre lui, j'en sais rien. Je crois savoir ce qu'il faut faire. Faut faire venir, faut fermer le trou en fait. Voilà. Ah, ça fout le bordel en dessous, mais au moins comme ça on a le symbole. Ah, je le vois à droite là. Il y en a sûrement d'autres, ouais, voilà. Ah, j'ai tapé. Qu'est-ce que j'aime ces griffes. Chandelier crânien. Une arme. Alors, candélabre employé par les fidèles de Birax. Saint parmi les prélats des moines gardiens du feu, inquiet devant les désinvoltures des moines maniant la flamme des géants, Birax se trancha lui-même la tête
En guise d'avertissement dans le but qu'elle serve de chandelier. Sa foi inébranlable brûle toujours dans les réceptacles crâniens. Ça fait trop de bruit, désolé. Déferlement de foi, vous puisez dans la foi de Burak qui a embrasé le réceptacle crânien afin de le brandir dans les airs pour faire pleuvoir des boules de feu. Répétez cette action pour maintenir la coupe en l'air et faire perdurer l'effet de la compétence. Ah, c'est ce qu'ils faisaient en fait les mecs là quand ils se brûlent la tête là. Ouais, c'est vraiment un chandelier en fait. Wow. Ah, c'est stylé, hein. C'est assez stylé, je trouve. Il n'y a pas de lumière ici. On va regarder s'il y a un truc. En dessous? Ouais, non. Si! C'est bon, on a le symbole, on peut combattre. Toujours vérifier les ascenseurs comme ça. Toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut combattre ici, j'imagine. Ah oh, putain, j'ai pas envie. Oh, ça va être un chat. Ah oh, putain. Comment? Ah là. Vas-y, fais-moi rire, ça va être un chat. Ah non, c'est un géant. Bon bah un géant, ça va alors. Hé, hey, ramène-toi. Ah mais il réagit même pas parce qu'on lui fait pas de dégâts. Oh putain, j'avais oublié cette merde. C'est bien. On a un régène là? Non, on a pas le régène, j'ai juste l'attaque et la défense. Oh là là, ça passe, mais du coup ça passe. Bon, ramène ton cul, parce que là, ça commence à me gaver. Ah, tiens, ça prendra un peu. La porte quoi? Je crois que c'est la porte s'est ouverte. Ah bah oui alors oui, la porte s'est ouverte. Ah putain, on peut même passer en dessous. Il y a des objets en dessous. Ça m'embête là. Là, il y a un objet qui a l'air pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un mec avec un marteau, ok.
l'assaut des géants. Ah putain, c'est une explosion. Oh, tiens, c'est quand même passé. Ouh, grand muguet mortifère. Ça va être du coup. Alors, on va voir ce qu'on a récupéré. C'est un sceau sacré contendant. Renforce les incantations de la flamme des géants. Alors, porté par les prélèvements de gardien du feu, ce catalyseur renforce l'incantation de la flamme des géants. Du coup, ça a du poids, c'est ça? C'est un 1-5. La foi et la force. Ah, on le voit, on l'a dans la main. Pas mal. Droite ou gauche, j'en sais rien. Ok, on peut descendre là. Et alors, là, il y a une échelle. Ah oh putain, un chat. Il va sûrement... Oh là là, deux chats. Ça a l'air d'être là, le... Genre là, le cercle. Pour un... Pour un saut. Oh mon dieu. On est passé quoi. Je me voyais pas passer du tout. Hein. Non mais on a un saut là quoi. Comment on fait? Oh! Je peux me mettre là? Et là on va combattre les chats. Les, pardon, les chats. Oh merde. Ouais mais j'ai pas envie de les combattre en fait. Oh. Attends, on passe à travers quoi. Oh, tu t'actives? J'ai farmé pas mal de pierres aussi.
Oh la putain de toi, quoi. De pierre volcanique, là, pendant que je faisais de la coop. Je sais pas si ça passe à travers le... la tour, en fait. Espadon de Cerbère, ben putain, ça coûte cher en... en fiole et tout ça, hein, faire ces conneries. Pas beaucoup de dégâts. J'aurais pu le finir. Ah non, mais j'avais plus d'endurance. Ok, parfait. Oh la vache. Du coup, on va où? Ah, faut un peu utiliser les trucs bouillis, hein, ça aide, hein, quand même. Mais bon, juste quand je regarde, c'est fini. Parce que ça aussi, faut que j'en achète, faut que je pense à en acheter, parce qu'à chaque fois, je balance mes trucs, mes runes dans les flèches et tout ça. Bon, c'est jamais perdu, hein, mais... mais, ouais. Ouais, les trucs bouillis, là, ce serait bien. Alors là, on a la porte. Je me rappelle plus où c'est en fait. Oh la vache. Il y a beaucoup de trucs à passer en fait. Pour aller au boss. Enfin honnêtement, autant y aller et puis si on crève, on réapparaît à côté quoi. Ouais, en fait c'est tout, c'est con de faire ça. Ce que je fais là. Ah oui, bon, le risque c'est de perdre. Enfin, quoique, non, en fait. Non, c'est complètement con de faire le tour. Ok, elle est directement.
et sorte de checkpoint là, c'est bien. Pour ça, ça évite. Mais j'ai hâte d'utiliser une grosse masse à la place de l'épée. Je suis en train de me demander si on devrait pas... alors pas maintenant, hein, mais... Genre, vous savez la grosse masse que j'ai montrée là, l'épisode d'avant là. Genre celle-là. Genre on change notre style comme ça. Et là on pourrait faire l'attaque spéciale là qui fait des AOE. Je pense qu'on garderait les griffes. Mais ça pourrait changer de... Pour changer un peu de l'épée quoi. Après bon l'épée elle est bien en PVP, elle est bien en PVE. La masse, je sais pas. Ouais, non, la masse, je sais pas. Faudrait que je vois. Faudrait que je réfléchisse. Alors, on va peut-être pas se buffer, parce qu'on a plus de magie. Après, on peut utiliser ça, restaure progressivement des PC. Mais j'ai pas envie d'utiliser des objets aussi rares, juste pour un boss à la con. Si on crève, on crève, c'est pas grave. J'ai envie de dire... C'est quoi? Cool. Merde, ça a explosé. Ou pas. Ah, elle brûle. Elle a bien joué. Les courbés. Ah, oh, on a tout l'équipement de Zamor. Bien joué, bien joué, bien joué. Moi, je me demande si on s'équipe bouclier lourd. Et genre avec une lance ou une rapière. Le lance c'est mieux parce que ça fait un peu plus de dégâts. Et genre on met tout en vie, endurance et tout ça. Et on fait un double. Et tous les deux on est genre des gros tanks bien chiants avec des boucliers. Tout. C'est marrant. Je sais pas, genre les trucs qui crèvent pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait marrant non? Je trouve que ça serait drôle. Ça serait comique. Ouh, accumulation de congélation. C'est une... Oh, c'est un espadon courbé. Arme maniée par le chevalier de Zamor, héros de la guerre contre les géants. Apparemment dédiée à l'hiver, cette arme courbée s'inspire de la brise, de la bise glaciale et accumule beaucoup de congélation chez l'ennemi. 65. 65, c'est pas mal. 16 et 18. Très bien. Apparemment dédié à l'hiver. Ouais, on a lu. Compétence unique, tempête de givre Zamor. Vous plongez l'épée courbée dans le sol, puis concentrez votre puissance afin de déclencher une tempête glaciale qui ravage les environs. Alors, on a peut-être trouvé notre nouvelle arme. Elle a l'air un peu plus petite, non? Ouais. Oh! D'accord. Ça a strictement rien à voir la façon de combattre. Ça a strictement rien à voir, c'est marrant ça. Ouais, les R2 c'est les mêmes je crois. Ouais. Mais les R1 non, pas du tout. Les attaques légères non. Alors, est-ce que... J'ai envie de dire, c'est pas mal. Nous, c'est 18 et 17. Là, c'est 16 et 18. On a C et B.
Parce que... Ouais, enfin... Ouais, je sais pas. Bah, les saignements, ça reste quand même le top. Hein. Et puis le croc limier, il envoie du lourd à chaque fois. Hein. Par contre, bon, il est un peu lourd. Celui-là, il est un peu plus léger. Alors, l'équipement... C'est du 8-8. L'armure portée par les amours, acclamée en héros lors de la guerre contre les géants, on raconte que ces combattants à la grande longévité, parés de vents mordants, sont les ennemis jurés des géants de feu depuis l'aube des temps. J'aime pas du tout, mais... On est en quoi? On est en moyen, ok. C'est tellement bizarre quand on change de direction. On dirait qu'elle bug en fait sur les tourniquets. Je suis pas très fan de l'équipement. Ouais. Je trouve très bof. Bon, on a fait ça, c'est très bien. On va se téléporter parce que je voudrais tester la tempête là, voir ce que ça donne. Après la congélation, maintenant on l'utilise grâce à l'habilité qu'on a. Oh, ok. Comment ça fait autant de... Bizarre. Oh la vache. Bah j'imagine que en fait ça fait... Ah, je crois que le jeu doit être pas vraiment buggé mais... Ouais mais là t'as là tu m'aides pas en fait. Waouh, ok d'accord. Ok, alors, je vais essayer d'expliquer ce que je comprends avec cette arme.
On va voir si ça recommence. Voilà. On va voir si j'arrive à le refaire. Mon dieu, les dégâts. Ça l'a refait. C'est pas mal. Hop. Tiens, je crois qu'on a eu droppé son arme. Ah non, merde. C'est pas mal. Je pense comprendre ce que ça fait. Alors, chaque arme en fait a une sorte de dégâts. Je pense que c'est invisible parce que c'est pas vraiment écrit. Puissance de garde, non, on s'en fout, critique, tout ça. C'est pas vraiment écrit, mais plus on va dire c'est lourd, plus l'arme est lourde. Et plus elle va mettre un... Comment dire? Un coup de stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Un coup de stabilité. Et je crois que là, ce qui se passe avec ça, c'est que les chaque petit coup là, de la tempête, c'est comme si c'était un gros un coup de l'arme, je pense. C'est pour ça que c'est si facile... À déstabiliser le géant. Je le traduis comme ça, moi, en fait, ce qui vient de se passer. Parce que là, on l'a fait beaucoup de fois. Et l'arme, elle est niveau 1. Hein. Donc, moi, je le traduis comme ça. Après, est-ce que ça en fait une très bonne arme? Je sais pas. Je sais pas trop. On va dire que le saignement, c'est bien. Après, encore une fois, ce qui est bien dans les le crolimier, c'est bah, l'attaque, qui est complètement pété quand même. Puis elle est facile pour traquer et tout ça. Je dirais qu'en PVP, le crolimier est mieux. Après ça, j'en sais rien en fait. Ça, les deux se valent. J'aime bien la tempête. J'aime bien bien la tempête. C'est embêtant quand ça arrive ça. Genre les choses sont plus ou moins presque pareilles et puis... Ouais. En fait faudrait aller l'augmenter l'épée et voir en dégâts. Mais je pense que c'est plus ou moins la même chose honnêtement. Comme j'ai dit en fait ça... Enfin... ça n'a pas trop de sens d'utiliser de la glace sur notre épée si on a de la glace grâce à l'habilité du piétinement. Vous voyez, parce que le piétinement, en fait, c'est ultra méga simple en fait de l'utiliser. C'est ultra simple de l'utiliser et de mettre le debuff en fait. Donc du coup, ça sert un peu à rien. C'est mieux d'avoir, par exemple, du saignement, parce que saignement, c'est plus de dégâts, en général. C'est 23. Très bien. On est presque au max. Ah, ça va faire mal hein, avec la cul. Oh, j'avais pas vu, mais ça augmente l'accumulation de gel. Oh là là, j'avais pas vu ça, mais...
Oh mon dieu. Mais du coup, nous on reste toujours... Les pelles, elles montent pas par contre. L'accumulation de sang, là, de saignement. Non, c'est toujours 55. Oh mon dieu, on est... Ouais, par contre, l'accumulation en fait de base, j'ai pas l'impression qu'elle change, mais l'accumulation qu'on a mis en cendre, ça a l'air de changer. Genre, vous voyez, de base, elle est de 60 en fait, les griffes. Mais ça bouge pas. Ça, depuis le niveau 1, en fait, c'est 60. Par contre, l'accumulation de congélation, elle était à 99 quand mon arme était 21. Maintenant, elle est à 102. C'est complètement absurde. Là, on pourrait mettre 81. Parce que ce qui augmente, c'est le saignement qu'on rajoute grâce à l'affinité, en fait. L'affinité octroyée. Donc là, du coup, on passe à 81. Du coup, on peut mettre du poison aussi. Ça doit être... Ouais, 94, très élevé. Vachement intéressant, ça. Donc le mieux, ça serait de mettre du givre grâce à des affinités. Ouais, grâce à des affinités. Parce que comme ça, du coup, vous avez plus d'accumulation avec le niveau de l'arme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en théorie, si vous voulez de la congélation avec une épée courbée, là, ce qu'on fait, le mieux, ça serait de faire... prendre un truc courbé. Sont où les armes courbées? Je les ai loupées encore. Et de mettre le gel en fait. Et pas avoir une épée de base. Genre on prend par exemple la lame ardente de moine. Ah merde. Pardon, j'étais. Ah, c'est pour ça en fait que je trouvais pas. J'étais pas sur le bon truc. Désolé, hein, je mets du temps à trouver les armes. C'est une catastrophe, je sais. Très chiant, moi aussi. Alors... Putain, mais... Les épées courbées. Oui, mais pas les grandes. Ah, voilà. Genre celle-là, la mardante de moine... On peut tout lui mettre en plus. On peut vraiment tout lui mettre. Voilà, on est congélation 80 de base. On peut lui mettre le feu. Ça, il faudrait tester la mardante de moine de feu. Ça a l'air marrant. À la foudre. Le poison 80, 69 de sang. Congélation 80. Même le sang, ça doit être bien. Enfin, après, ça se base sur l'ésotérisme aussi. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Ça, c'est un peu le problème de rajouter du sang. Mais, enfin, quoique, après, c'est pareil que l'intelligence au final. Mais ouais, là, on a déjà 80 de congélation au lieu de. Je sais pas combien elle avait l'autre arme. 65 seulement. Et là, ça bougera jamais en fait des 65. Oui, oui. Bon, enfin voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, moi. On va aller acheter des trucs bouillis là. Par contre, il était où le mec? Ah, il était vers la capitale. Il était là. On va aller comme ça. Alors, on va voir s'il est toujours là. Donc ouais, je pense que ça peut être une arme sympa, si vous voulez. J'ai honnêtement bien envie de l'augmenter en fait. J'ai tout simplement bien envie de l'augmenter. Parce que ça nous changerait, puis elle est stylée.
Nos griffes sont devenues complètement débiles quand même. Hein. Je veux pas dire, mais 102 d'accumulation de gel. Après, les chiffres, je sais pas à quoi ça correspond. Genre 102%, c'est... Voilà, c'est... plus c'est élevé, mieux c'est. Mais je sais pas vraiment à quoi ça correspond, précisément. Ah, il est pas là. Merde. Normalement, il y a un feu. Oh, il y a... C'est quoi ça? Ah putain, tu vas me dire que... Il est plus là. J'avais bien... Ah non, attends. Il est là, normalement? Ah, il est là-bas, ah oui. J'ai rien dit. Parfait. Alright, mate. Want some more crab, do you? Ouais. Alors nous on veut ça, améliore grandement. Parfait, merci. T'es vraiment cool toi. Vraiment très cool. Après, on peut faire les deux espadons là, mais ça serait débile quoi. Faudrait qu'on baisse notre poids parce que là on est en lourd. Après en PVP je sais pas si c'est vraiment utile, honnêtement. Parce que bon oui les mouvements sont sympas. Mais la tempête après... je sais pas. Ça c'est quand même nettement mieux. Hein. Ça fait plus de dégâts. Puis c'est plus pratique. Bon, on va se casser. Du coup, j'ai balancé toutes mes runes et je peux pas monter de niveau de le niveau de l'arme. C'est bien. Bien joué. Bien joué. On va s'arrêter là. Très bien joué. On va continuer la prochaine fois chez les géants là. Ça se passe bien. On débloque des choses, ça se passe bien. Et ouais. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Ciao ciao.